Vous êtes présentement sur matttv.ca. Vous êtes présentement sur matttv.ca. Depuis ses tout débuts, la Fondation Farah a distribué plus de 8,7 millions de dollars à quelques 76 organismes des quatre coins du Québec. I love you. C'est super génial. Moi, c'est la première fois que je viens à l'événement et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vraiment extraordinaire. Tout le monde est très, à la fois très beau, très chic et à la fois avec le masque, ce qui fait original. Donc, puis une belle ambiance sur place, donc c'est une belle soirée. Alors, je me trouve présentement avec Sonia Benezra. Alors, Sonia, comment trouves-tu l'ambiance jusqu'à maintenant? Ben regarde, moi, je suis une habituée, une fidèle des galas de la Fondation Farah, puis c'est toujours quand même glamour, glitz, mystérieux. Alors, jusqu'à date, très, 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 très joli. Puis, qu'est-ce qui rend un peu l'événement glamour ce soir? Ben, ce soir, premièrement, le thème, c'est l'inspiration, c'est rouge et noir. Donc, j'ai décidé de sortir ma robe rouge. Wow. C'est aussi l'espoir, hein? C'est l'espoir dont je trouve que, tu sais, quand on rêve, moi, je trouve que ça, déjà, c'est glamour. Tu sais, rêver, ça nous permet d'aller ailleurs et c'est vraiment le but. Rêver d'un meilleur futur, rêver de, tu sais, on s'habille aussi. Parce que, tu sais, on est en plein hiver, on a nos grosses bottes, les manteaux. Puis là, on dit, ben, on va sortir de la petite robe, puis on va faire un effort, puis... C'est ça l'aspect aussi glamour ici de cet événement. Moi, ça fait... Je ne te dirai pas combien d'années que je connais la famille Farah. Je suis, comme dirait Mme Farah, je fais partie peut-être un petit peu de la famille. Je suis avec eux depuis bien, bien des années. Puis je ne le dis pas combien parce que vous allez voir mon âge. Mais j'ai toujours été touchée. J'ai toujours appuyé la cause. Alors, je suis ici ce soir toujours pour appuyer la cause. Et bon, comment vous trouvez l'ambiance jusqu'à maintenant ce soir? Ça se passe très bien. On est à l'encan silencieux. Alors, on a une table de fous. Alors, mes amis et moi, on fait le tour des choses pour pouvoir gagner le plus, acheter le plus. Avez-vous fait une petite mise ce soir? Ou... Absolument, plusieurs. Puis là, j'ai mon mari qui me regarde. Quand mon mari fait des mises. Du coin de l'œil, c'est bon. C'est... Et moi, j'ai fait des mises au nom de mon mari aussi. Alors, on verra bien. J'ai promis à mon fils que j'étais pour continuer. Alors, Vous savez pas qu'est-ce que c'est perdre un enfant. Hein? C'est la pire chose au monde. Puis il m'a fait promettre, puis il m'a dit 2 ans, maman, mais ça fait 20 ans. Hein? Il pensait qu'on allait retrouver le bobo. Mais c'était un homme d'affaires extraordinaire. Les 2 dernières années de sa vie, il les a données pour la Fondation. Il a préparé la première marche, mais il n'a pas vécu pour l'avoir. Il ne l'a pas fait. Le menu de ce soir, c'est une entrée, c'est une crevette grillée. Avec un risotto au farro, puis une purée de chou-fleur. Puis il y a une alternative, parce que s'il y a quelqu'un qui ne mange pas de poisson, il y a une salade. C'est une salade de roquette avec des betteraves et fromage de chèvre, avec une vinaigrette aux agrumes. Ensuite, c'est une filet mignon, servi avec des légumes rôtis. Let me show you a few.